faire, hein, puis je suis très content de commenter ce combat. Allez, quatrième round dans ce championnat du monde, WBCD.coq. Allez, faut construire la victoire. Faut rester concentré. Faut se rapprocher un petit peu. Je vais laisser la distance. Et par contre, le truc, c'est que quand Nordine arrive à la distance, faut qu'il y reste. Faut pas repartir vers l'arrière. Et plus il va être précis, plus le japonais aura du mal à étaler sa classe, sa mobilité, son déplacement. Nordine est plus puissant, plus varié. Faut qu'il se rapproche. Ah, Nordine est champion en titre et il est en train de le prouver. Toi, laisse repartir, faut poursuivre. Et différence flagrante, hein, de puissance entre les frappes du japonais et celles de Nordine. Il y a un peu les deux Nordine. Et là, je dis qu'il réagit alors que ce gauche-droite est parfaitement bloqué par le français. Le problème tactique est là. Parce que la distance, il faut constamment rester proche du japonais. Du japonais qui, même si elle manque de puissance, sont précises au corps à la face, il varie bien. On n'a pas été assez puissant. Même s'il n'est pas très varié. Bon chapeau visage pour Takuma Inoue. Il faut garder patience. Et malheureusement, il ne trouve que le vide là sur ses attaques. C'est plus de 2 minutes. Sur ce 4 round, je trouve moins précis. Il est au bord du précipice, Takuma Inoue. Oh, ça fout les Nordi. Et il l'accroche intelligemment. Et il va survivre ce quatrième round, Takuma Inoue. Alors qu'il était au bord du gouffre, sévèrement ébranlé. Quel scénario dans ce combat. On voit tout de suite le calme dans le coin. C'est obligé. Beaucoup d'expérience, mais ça donne la panique dans la tête du boxeur qui n'a jamais fait un voyage de tapis. De cette façon, il a été vraiment ébranlé. Et la coupure de système, on le voit sur son crochet. Vous voyez les jambes qui l'abandonnent totalement. Il y a Lily qui disait, le coup va arriver, patient, attends, très bien.